Good morgen, Ale Yiden. L'étude sera aujourd'hui les Elohi Nishmat Rivka Batsara, Rachel Rachel Batsara, Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha, Zara Bat Mazal Tov Shish Portish, Yaakov Ben Blanche Raja Shreim Elio Ben Shalom Luski. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Batra Perekret Mishnah. Hey! Haomer Ish Ploni Beni Bechor Lo Itol Pishnaim, Ish Ploni Beni Lo Ira Shimechav, Lo Amar Kelum Sheitna Alma Shekatuv Batora. Amchalek Nechasav Levanav Alpiv. Riba l'echad, umiet l'echad, veishva la'en et abichor, dvarav kayamin. Veim amar mishum yerusha, lo amar kelum. Katav ben betechila, ben ba'enza, ben basof, mishum matana dvarav kayamin. Ha'omer ish ploni, yirasheni b'makom sheyesh bat. Biti tirasheni b'makom sheyesh ben, lo amar kelum. Sheitna alma shekatuv batora. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer, אם אומר על מי שהוא ראוי לירושה דבריו כימין, ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו כימין. הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אבל אין רוח חכמים נוחה ממנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב. Après avoir introduit depuis le début du perek, les héritiers, les ordres d'héritage. Notre Mishnah maintenant va nous parler de celui qui veut déshériter ses enfants. Il souhaite faire, alors de plusieurs manières, on va évoquer deux situations, on n'a qu'à le faire directement en lion traduit, après on explique. Haomer ish ploni beni bechor lo itol pishnaim. On a déjà introduit que l'aîné hérite une double part dans les biens du père. Soit s'il y a un champ à partager entre trois frères, ou entre quatre frères on va dire, alors on partagera le champ en cinq parts et l'aîné prendra une double part. Ça, c'était le din, la halakha que Bechor Ntel Pishnaim. Ce qui se passe, c'est que là, maintenant, on a un père que, à Omer, il dit, Ish ploni beni Bechor, tel enfant qui est mon Bechor, mon aîné, loitol Pishnaim. Je ne veux pas qu'il prenne une double part, qu'il prenne comme tous les autres. Ou encore, il est fâché contre un de ses enfants, Ish ploni beni loira shimechav. Telle personne, ploni, un tel, mon fils, lo ira shimechav, je ne veux pas qu'il hérite de mes biens. Lo amar kelum, il n'a rien dit, ça ne sert à rien, ses paroles sont nulles et non avenues, ça ne sert à rien, pourquoi? Sheitna alma shekatuv batora, car il a posé une condition, il a voulu changer l'ordre de ce que la Torah a explicité. Soit, on continue tout de suite. La phrase après, et après on explique tout en même temps. Amchalek nechassav levana valpiv. Celui qui distribue ses biens à ses enfants par sa parole, par sa bouche, par sa parole. Riba le'echad ou miet le'echad. S'il a donné une plus grande part à l'un ou diminué la part de l'autre. Veishva le'en atabechor. Ou encore, il a partagé équitablement entre tous les enfants sans distinguer l'aîné. Dvarav kayamin, ses paroles seront maintenues. Veimamar mishum yerusha lo amar klum. Par contre, s'il a dit qu'il fait hériter, il n'aura rien dit. Et on explique de quoi on parle. Introduction d'abord, c'est déjà très bien que l'aîné hérite une double part. Ça, c'est entre parenthèses. Deux notions à connaître que l'on étudiera amplement dans les prochaines Mishnayot. Dans la prochaine Mishnah, déjà, il y aura la halakha du din de. Du digne de Yakir, le père est en droit de reconnaître qui est l'aîné. Et dans le Perek Tet, on apprendra le digne de Matnat Shriv Mera, les dons que fait l'agonisant. On introduit les notions très rapidement. Tout d'abord, la Torah a donné un droit au père, un pouvoir au père de reconnaître qui est son fils aîné. Soit, on a une personne qui avait, pour le moment, c'était, tout le monde savait qu'il avait 5 enfants, et qui vient et qui nous dit, en réalité, vous savez, celui que vous pensez que le premier, c'est mon enfant, en réalité, c'est pas mon garçon, c'est pas mon aîné. Mon aîné, c'est le deuxième. Donc le premier, c'est soit un fils d'une autre femme, soit c'est, Chas v'Shalom, un mamzer, soit c'est autre chose, c'est pas notre problème. En tout cas, la Torah a donné un pouvoir au père de définir qui est l'aîné. Et on le croit. Il est cru comme si, autant si bien que deux témoins viennent et affirment quelque chose, on est obligé de les croire, alors on croit aussi le père, on se fonde sur ce qu'il a dit le père, et comme ça, il exclut l'aîné, celui qu'on pensait être l'aîné, et il nommera que l'aîné ce sera en réalité le deuxième. Attention, il ne change pas l'ordre, il ne dit pas que toi tu seras l'aîné à la place de l'autre. Il vient et il ne dit juste qu'en réalité l'aîné c'est lui. Maintenant, notre Mishnah ne va pas, on étudiera ce sujet dans la prochaine Mishnah,
On verra à partir des psukim comment ça se passe. Pour notre propos maintenant, une deuxième introduction avant d'expliquer mieux la Mishnah, c'est la notion de la matnat shriv mera, celui qui est agonisant. En théorie, donc pour toutes les lois de la Torah, on conclut une affaire lorsque l'on passe à l'acte d'acquisition. Le maaseh kinyan qu'on a déjà introduit, ce que c'était, kesef, shtar, chazaka, mishicha, agba'a, plusieurs procédés, comment réaliser un acte d'acquisition, soit parce qu'on le lève, si c'est un bien mobilier, si c'est un bien immobilier, c'est en allant faire chazaka, en s'installant, kesef, shtar. Il y a plusieurs manières de faire un maaseh kinyan. Il y a une exception. Par la parole, on acquiert jamais, on ne conclut jamais. Si je te dis, je te promets, je te jure, quoi que ce soit, que je te le donne, eh bien ça ne marche pas. Il faut faire un acte d'acquisition, faire entrer le bien dans sa propriété par un acte. Il y a une exception à la règle, c'est les matnat shriv mera. Les cadeaux, les donations que fait un shriv mera, quelqu'un qui agonise. Chachamim, on dit que matnat shriv mera, selon des conditions qu'on découvrira dans le prochain perek, le cadeau que fait un shriv mera, Shriv Mera, c'est quelqu'un qui est en train de... qui est couché, mal au point, qui est en train de mourir, un agonisant. Alors, Ramim nous ont dit, écoute, si à cette personne, tu vas commencer à lui dire, il a envie de léguer ses biens à une autre personne qu'à son héritier naturel, il a envie de léguer ses biens. Si tu commences à lui dire, ouais, mais vous devez faire un maaseh kinyan, il va commencer à entrer en panique. Peut-être qu'il va mourir avant qu'il ait fait la donation. Et à cause de ça, il va réellement mourir plus tôt. Il va commencer à entrer en stress et il va mourir trop vite. Alors, Ramim nous ont dit, tu sais quoi? Quand il agonise, ce qu'il dit, matnat shriv mera kiktuvin, divre shriv mera kiktuvin et chimsurin damian. Les paroles du shriv mera, de l'agonisant, sont comme si elles avaient été retranscrites par écrit, puis transmises, puis le shtar transmis à celui qui acquiert, à son donateur. Le donateur, c'est celui qui reçoit. Le donateur, c'est celui qui donne. Le donateur, c'est celui qui reçoit. Donc c'est comme si ça a été transmis, que ça a été acquis par lui. D'accord ? Ça c'est les deux notions, donc, le din de Yakir. Maintenant, notre Mishnah nous enseigne celui, le statut, comment ça se passe concrètement pour déshériter un enfant. Quelqu'un qui est fâché avec un fils, ou quelqu'un qui ne veut pas que son aîné prenne une double part, il va dire, tu ne seras plus héritier, je te déshérite, ça signifie, tu ne seras pas héritier. Sur ça, il y a un problème, une notion qu'on a déjà introduite. Matne alma shekatuv batora. Il pose une condition, il veut changer les conditions de ce que la Torah a défini autrement. On a déjà introduit cette notion que quand la Torah elle me fixe un ordre, je ne peux pas, moi, poser une condition et changer l'ordre. Je ne peux pas me marier avec une femme, par exemple, en lui disant, mais à condition que tu sois permise à tel homme. D'accord ? Parce que par définition, tu veux marier une femme, alors la Torah a dit, une femme, quand elle se marie, elle interdit à tout le monde, elle est permise que à toi. Donc tu ne peux pas mettre ici une condition. D'accord ? Ça, c'est une matinale, mais chez Katouf Batora. Selon le même principe, je ne peux pas prendre un fils et lui dire, tu ne seras pas héritier. Être héritier, c'est un état. C'est un état autant que, aussi bien que s'il y a un garçon qui se conduit comme une fille, il va lui dire, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu ne seras plus un garçon, tu seras une fille. Il n'y a rien à faire, c'est un garçon. On ne peut pas changer l'ordre naturel. Selon le même principe, ce que la Torah a établi comme devoir, comme axiome, on ne peut plus le modifier. Et de ce fait, le père ne peut pas dire tu ne seras un fils, tu ne seras pas héritier. Ou bien tu ne seras plus, tu n'hériteras pas comme un aîné. Il ne peut pas dire ça. On apprendra. D'accord ? Il ne peut pas poser une condition pareille. Pour quelle raison ? La Torah, elle a fixé un ordre autrement. Tu ne peux pas changer l'ordre de la Torah. Si tu veux donner tes biens aux autres enfants et que tel enfant n'hérite pas, il faudra nécessairement que tu procèdes à une donation, que tu donnes tes autres biens aux autres, et de ce fait, il n'y aura plus de biens, donc l'aîné n'héritera pas, tel enfant n'héritera plus. C'est le seul moyen possible pour donner. C'est donc de ne pas déshériter, mais c'est uniquement de donner tous ses biens. Aussi bien que si maintenant je vais tout de suite donner tous mes biens à tout le monde, mais il ne restera plus rien pour les héritiers, c'est exactement ça, c'est le principe de la Mishnah, d'accord ? On refait ça dans les mots. Haomer ishploni beni bechor loitol pishnaim. Celui qui dit tel fils est né, il ne prendra pas une double part. Ou encore ishploni beni loira shimechav. Tel enfant, mon fils, tel enfant, un tel loira shimechav. Il n'héritera pas avec ses frères. Lo amar klum, il n'a rien dit. Ça sert à rien. Pourquoi? Shitna alma shekatuv batora. Il a posé des conditions différentes de ce qui est écrit explicitement dans la Torah. On va apporter une précision dans quelques secondes, on finit, on reprend juste la phrase, après un point important quand même à préciser. Amchalek nechassav levanav,
Alpiv. Par contre, s'il distribue ses biens à ses enfants Alpiv par sa parole, parce qu'il y a une halakha spéciale que l'agonisant peut distribuer ses biens par la parole, alors, riba le echad ou miet le echad, s'il a donné plus à l'un, moins à l'autre, veishva le enatabechor, ou encore, il a partagé équitablement avec l'aîné, dvarav kayamin, ses paroles seront maintenues. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il n'est pas venu en tant qu'héritage, mais plutôt en tant que donation. Il donne à ses enfants. Donc, pour donner, tu fais ce que tu veux quand tu donnes. Veim amar mishum yerusha, par contre, s'il a précisé, je fais hériter, tu hériteras de tel champ, et comme ça il s'avère qu'en réalité il a pris la part de l'aîné, il a complètement diminué, alors ça ne marche plus, Lo amar klum, parce que tu parles d'héritage. Et on continue aussi la petite phrase d'après, katav ben betrila ben baemza ben basof mishum matana dvara kaimin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans son testament, par exemple, il a fait écrire un testament et il a dit « Tel enfant héritera de telle part et tel enfant n'héritera pas » Donc il a mentionné le mot « héritage ». Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque enfant à qui il a dit « Il héritera et vous lui donnerez », il a rajouté le mot « donation » en plus que le mot « héritage ». Donc en fait, il s'est un petit peu contredit, selon la Mishnah, puisque tu peux soit donner par héritage, soit donner par donation. Ce qui se passe, c'est qu'il a dit les deux leshonot. Alors là, dans ce cas-là, Dvarav Kayamim, la Mishnah nous enseigne. Quel que soit l'ordre dans lequel qu'il a choisi lorsqu'il a écrit son testament, à partir du moment où à chaque enfant il a précisé le mot « don », même s'il a dit le mot « héritage » avant, après, autour, avant, ouais, peu importe, ben batrila, ben bemsa, ben basof, alors Dvarav Kayamim, ses paroles seront maintenues, puisque finalement, il a quand même réussi à faire un acte de donation. Et là, ça fonctionne. Précision importante quand même, pour ceux qui se souviennent, on avait rapporté le cas de Matnal Mashekatouf Batora Bedavar Shebem Amon, celui qui veut changer les conditions de la Torah pour ce qui concerne les lois d'argent. De manière générale, Dvarav Kayamin, la Lacha, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, on avait appris que la Lacha est comme Rabbi Yehuda. Soit on avait évoqué le cas par exemple. Si je me marie avec une femme, j'ai pris le cas où, tout à l'heure, j'ai pris le cas où je me marie avec une femme en lui disant tu seras permise aux autres hommes, à tel homme. Badaï, ça ne marche pas, parce que se marier, la Torah elle a dit, écoute, se marier, ça signifie ça. Tu veux, ça signifie quoi, ça? Être permise à tel homme et interdite à tout autre homme. Si tu veux pas, si tu n'acceptes pas ces conditions, eh ben, tu n'as qu'à ne pas te marier. Mais si tu te maries, c'est ça, faire ton acte. Se marier, ça signifie interdire une femme à tous les autres hommes. On avait appris que lorsque je me marie, je suis engagé à plusieurs devoirs face à ma femme. Shehera, Ksuta, Onata, la nourrir, la loger, l'habiller, même quelque chose de plus intime. Et il y a des devoirs entre un mari et une femme. Alors on apprenait que, d'abord chez Bemamon Tnao Kayam, pour tout ce qui concerne les engagements d'argent, on a le droit de poser des conditions, de changer les conditions. Soit j'ai le droit de me marier avec une femme en lui disant je me marie avec toi, mais le devoir de te loger ne m'incombe pas. Débrouille-toi, va voir ton père, va travailler si tu veux. Mais en tout cas, moi, ça, tu ne viendras jamais me réclamer de te donner un logement. Si j'ai pas. Eh bien, on apprenait que d'avoir chez Bemamon, Naokayam, pour tout ce qui concerne les litiges d'argent, là, c'est un problème d'argent, c'est un devoir d'argent. D'accord? Une maison, c'est un devoir d'argent. Alors, Naokayam, mais à condition, est validée selon Rabbi Yehuda et la Halakha, elle est comme ça. Si je lui dis à condition que je n'entretiens pas de vie privé avec toi, alors là ça ne marche plus, parce que là c'est plus du mammon, c'est du tsar. D'accord ? Mais par contre, pour toutes les conditions d'argent, on a le droit. Donc là, de ce fait, il y a une question qui se posait. La Gemara, elle en parle ici. Elle dit, je comprends pas, quand tu dis que tu déshérites, tu dis que matner al-mashikatouf batora, tu changes les conditions de ce que la Torah a fixé, mais c'est ici un sujet d'argent, tu veux pas que telle personne hérite ? Mais en réalité, la Gemara répond quelque chose, un distinguo très simple. Quand on dit que Bedavar Shebemamon Naokayam, ça signifie que lorsqu'on est deux personnes engagées et qu'on va concrétiser une affaire et que la Torah elle est venue mettre son nez entre nous en nous donnant un ordre de priorité et des droits à l'un plus qu'à l'autre, alors là on a le droit, effectivement, il est possible de poser une condition, de changer les conditions que la Torah elle a dit, parce qu'on n'est pas obligé de conclure l'affaire entre nous. Mais un héritier, c'est naturel d'hériter. L'autre ne va pas renoncer à son droit. L'héritier lui-même n'est pas en train de renoncer à son droit d'héritier. Moi, je veux lui supprimer Bedavar Shebe Mamon. Je ne peux plus le faire. Si je veux grossièrement mieux expliquer, je pourrais dire comme ça. Si on me demandait mon avis avant d'avoir un enfant,
Et l'enfant me demandait mon avis. Est-ce que je peux devenir papa? Est-ce que je peux devenir ton futur enfant? Alors je pourrais lui dire, écoute, tu deviens mon enfant, mais à condition que tu ne mériteras pas. Alors là, c'est possible de le dire. Concrètement, ça n'existe pas une réalité pareille. Être un enfant, c'est une continuité naturelle, donc il sera forcément héritier. Donc ça s'appelle que tu ne peux plus changer l'ordre naturel établi. D'accord? C'est clair la notion? Ok. Maintenant, donc on a conclu la Mishnah en expliquant. Si on précise le mot « héritage », si on dit uniquement le mot « héritage », on ne peut pas changer l'ordre de l'héritage établi par la Torah. Tandis que si on fait une donation, alors c'est possible. Si on lègue ses biens, mais par don, à ses autres enfants, alors on se retrouve qu'on a réussi à exclure le mauvais enfant qu'on voulait déshériter. Et là, ça a marché. D'accord? On continue maintenant. On va en réalité entrer maintenant dans une précision et découvrir qu'il y a en réalité une petite discussion sur un détail. « Ha'omer ish ploni irasheni bimkom sheyesh bat » Celui qui dit « Un tel héritera de moi alors qu'il y a une fille » Ou encore « Biti tirasheni bimkom sheyesh ben » On apprenait un ordre de priorité entre les garçons et les filles. Lorsqu'il y a des garçons, les filles n'héritent pas. Et bien ce père-là dit « Biti tirasheni, ma fille héritera de moi » Bimkom sheyesh ben, alors qu'il y a des garçons. Lo amar kelum, il n'aura rien dit. Ses paroles n'ont aucun intérêt, aucune utilité, ne fonctionnent pas. Sheitna al ma shekatuv batora, car il a posé une condition sur ce qui est explicite dans la Torah. Vous allez me dire, c'est une reprise exacte de ce qu'on avait vu dans le premier cas de la Mishnah. Soit, en réalité, quand j'ai dit le premier cas, ish ploni, on parle en fait que j'ai mon frère, je ne suis pas cette. Pas moi. Quelqu'un n'est pas satisfait de ses enfants et il décide de donner tous ses biens à son frère. Et la Mishnah vient nous enseigne de nouveau qu'il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé la Torah. Parce qu'il a changé les conditions de ce que la Torah a établi, de l'ordre que la Torah a établi. Vous allez me dire donc que c'est une répétition exactement de la Mishnah. C'est vrai, mais il a fallu le redire à cause de ce qu'on va découvrir tout de suite. Rabbi Yochanan ben Beroka Omer. Im Omer al Mishé Raoui le Yerusha, Dvarav Kayamin, Val Mishé En Raoui le Yorsho, En Dvarav Kayamin. S'il change, pose une condition, change l'ordre d'héritage, mais parmi des héritiers potentiels ou concrets, c'est ce qu'on va préciser tout de suite. Donc, Imomer al-Mishé Raoui le Yerusha, s'il dit face à quelqu'un qui est apte à l'hériter, à un héritier, Dvarav Kayamin, ses paroles sont maintenues, Val-Mishé En Raoui le Yorsho, par contre, quelqu'un qui n'est pas du tout héritier, alors ses paroles ne seront pas validées. Soit, j'explique directement ce qu'il faut, le vrai pshat de Rabbi Yochanan ben Broka, ça évitera de trop compliqué de présenter le problème, donc d'apporter une réponse. On explique directement ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Broka, il dit comme ça. Si, sur un même niveau d'héritier, soit mes enfants, j'en ai quatre, et je décide de changer l'ordre à l'intérieur des quatre, de dire, toi tu recevras une plus grande part, toi tu n'hériteras pas, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de le faire. Pourquoi? Rabbi Yochanan ben Broka apprend ça du pasouk qu'on a évoqué au début du shiur sur le din de Yakir, que le père est en droit de reconnaître. Là-bas, la Torah introduit cette paracha en nous disant, on verra ça dans paracha de Kitetsé, après la paracha du Ben Sorer Umoré, il y a ensuite après le Ben Sorer Umoré, alors il y a la paracha d'un père qui décide au jour de sa mort, le jour où il fera hériter ses enfants, comme si qu'il fait hériter ses enfants activement. En théorie, on ne fait pas hériter les enfants. La personne décède et forcément les enfants héritent. Ça signifie quoi cette forme factitive de faire hériter les enfants? Ça signifie qu'en fait c'est lui qui décide qui héritera. Et donc la Torah a donné un pouvoir au père, non seulement de reconnaître qu'il est né, mais même de faire grossir ou diminuer la part de l'un ou la part de l'autre. Ça, c'est selon Rabbi Yochanan ben Broka. Mais à condition que cet héritier soit un héritier concret. Soit, j'ai concrètement quatre héritiers qui vont hériter des biens, alors moi j'ai le droit de venir et de changer un petit peu, de modifier, de donner un peu plus à l'un, un peu moins à l'autre. Là, j'ai le droit de le faire parce que c'est ce qui a marqué dans Bayom Hanchilo et Banav. Par contre, je n'ai pas le droit, par exemple, donner priorité à mon frère alors que j'ai des garçons et des enfants. Pourquoi? Parce que là, mon frère est certes un héritier potentiel, mais pas concret, puisque s'il y a des enfants, c'est les enfants qui héritent, c'est plus le frère. Alors là, je ne peux plus changer l'ordre. Idem encore, c'est spécialement sur le din du Bechor, je ne pourrais pas dire à l'aîné, je ne veux pas que tu prennes ta double part d'aîné. Je ne peux pas attaquer de front sa part d'aîné, parce que la Torah m'a dit non, il devra recevoir une double part. Tu peux faire en sorte que tel enfant recevra une plus grande part, de ce fait, il en restera moins pour les autres.
Mais tu ne peux pas diminuer la part de l'aîné. Le fait que l'aîné doit recevoir une double part. D'accord ? C'est le principe de Rabbi Hanan ben Broka. Donc c'est ce qu'il a dit. S'il y a celui qui est apte à l'hériter, un héritier concret qui va l'hériter, ses paroles seront maintenues. Par contre, s'il dit, il fait valoir comme héritier une personne qui est l'oraoui le yorsho, qui n'est pas apte à l'hériter, en varav kaimin. On a fini toute la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, c'est très simple. Celui qui a légué ses biens par donation, comme la halakha le fixe, à une autre personne, mais pas à ses enfants. Il n'a rien laissé pour ses enfants. Il était déçu d'eux. Il ne leur donne rien. Mashé asa asouy. Ce qu'il a fait, c'est fait. Mais malgré tout, aval en roi chachamim nocha emenu. Chachamim ne sont pas satisfaits de son acte. Il y a une raison profonde que on vient sur terre avec un rôle et Hachem nous donne un potentiel pour réaliser ce rôle. Et tout ce que moi je peux recevoir dans ma vie, c'est Hachem qui me l'a donné pour concrétiser mon rôle sur terre. Mon rôle continue ensuite par mes enfants. Après, on a tous un but, il y a un guilouï spécial. Hachem veut qu'on dévoile sa majesté sur terre, chacun avec sa singularité et tout ça. Selon ce même principe, ce que je reçois, je ne peux pas le donner naturellement tout à quelqu'un d'autre. Il faut que mes enfants ils puissent continuer ce que je faisais en recevant eux mes biens, s'il en reste, bien sûr, si j'en laissais quelque chose. Alors il faudra que je l'aie et qu'il faudra que ça reste dans la famille. Il y a ici un but spécial, il y a quelque chose de très profond. Ça se retrouve encore dans la Megillat Ruth, avec la Yerusha de Mahlon et Kilion, qu'il y avait là-bas, il fallait laisser une continuité sur terre. Et donc, cette continuité, elle se passe avec les héritiers concrets. Et il ne faut pas déshériter ses enfants. Celui qui déshérite complètement tous ses enfants, en roi chachamim no chaimeno, chachamim ne sont pas satisfaits de son acte. Ils sont pas, c'est quelque chose de pas bien. Il l'a fait, il n'y a pas de doute, mais il ne fallait pas agir de cette manière. On continue. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Imloa yubanav no agin kashura, si ses enfants n'étaient pas dignes, soit, ça arrive malheureusement, Zachor Letov, il avait. Zachor Letov, c'est bien ce qu'il a fait. Il a bien fait de déshériter ses enfants. Chachamim discute, ne sont pas d'accord avec Rabban Shimon ben Gamliel, parce que finalement, certes, ses enfants ne sont pas dignes, mais peut-être qu'il va quand même garder quelque chose et qu'il va avoir un petit-fils, un arrière-petit-fils, qui va finalement réussir à obtenir un reste, un résidu de cet héritage, et il en fera quelque chose de bien pour la Avodat Hashem. Et donc, malgré tout, laisse ça à tes descendants. Pour la halakha, elle est fixée comme Rabbi Yochanan ben Broka, que l'on peut qu'on peut désigner, qu'on peut changer qualitativement, de changer la part de chacun, ne pas déshériter, c'est pas possible, d'accord, changer, mais en tout cas donner une part plus grande et une part plus petite, ça on pourra le faire, mais pas changer la part du Bechor, donc, et pour la deuxième partie de la Mishnah, déshériter, la halakha est fixée comme Chachamim, qu'il ne faut pas tout léguer à quelqu'un d'autre, il faut laisser quelque chose à ses descendants. On fait maintenant le Bar Tenora, Lo Amar Kelum. On se rapporte sur la première partie de la Mishnah. Celui qui disait, tel fils est né, tu n'hériteras rien, tu n'hériteras pas la double part, ou encore tel fils, tu n'hériteras pas du tout. Lo Amar Kelum, la Mishnah nous enseignait qu'il n'a rien dit. Pourquoi ? Il ne peut pas l'exclure de l'héritage, le déshériter. Uniquement s'il va donner tous ses biens aux autres enfants. Ouais, il a contourné. Quand l'autre il arrive avec son assiette, on lui dit, il ne reste plus rien à manger. Mais il ne peut pas venir avec son assiette, il te reste et toi tu lui donnes. D'accord, c'est le principe. Tu peux faire en sorte qu'il n'ait plus rien devant lui. Alpiv, maintenant, c'était la deuxième partie de la Mishnah, on avait vu qu'il pouvait être Mechalek Nechasav Alpiv, qu'il va distribuer ses biens par sa parole. Soit, Mishum, comment ça marche? Normalement, il faut faire un acte d'acquisition. Mishum de Metzave Mahmat Mita, parce qu'il ordonne à cause de sa mort imminente, Veshriv Meira, et un agonisant, Dvarav Kiktuvin Vechim Surin. Ses paroles sont comme si elles avaient été écrites dans un shtar, ou Msurin est transmise ensuite, que le shtar avait été validé complètement. Ve'en Tzarir Kinyan, il n'y a pas besoin de faire un acte d'acquisition, Mishumachit Ané Alpiv, c'est pour ça que la Mishnah a insisté sur le mot Alpiv, c'est ce qu'on a voulu dire ici, un vrai Nechassab Alpiv, par sa parole. On réapprofondira ce sujet lorsqu'on arrivera dans le Perek Tet, Mishnah Vav, on reprendra là-bas. Donc on continue toujours avec celui qui veut, qui se lègue ses biens par donation à ses enfants, et il égalise la part du Bechor, comment ? Bilshon Matana, en explicitant qu'il fait une donation, un don, il donne à ses enfants. Alors Dvarav Kaimin, ses paroles seront
maintenu. Il n'y a pas ici qu'il change les conditions de ce qui sont écrites dans la Torah. Pourquoi ? Car un homme a la capacité de donner tout son argent s'il veut, à qui il veut. Et ça marche, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, c'est la précision qu'il le donne parce qu'il veut faire hériter plus l'un que l'autre. Il a donné plus à l'un, moins à l'autre. Betorat Yerusha, en guise de Yerusha, d'héritage. Shamar ploni irash, sade bet kour. Tel, qu'il a précisé comme ça. Tel enfant, il héritera là-bas de ce sade bet kour, un bet kour. Ouais, 10 hectares. Au ploni bni, et tel autre enfant, irash sade bet leter. Il héritera la moitié du cours, un seul hectare, deux hectares, cinq hectares. Ve'albno bechor, ou encore à son fils aîné, il a dit Amar sheirash keshel chavero, qu'il héritera comme ses autres frères, lo amar klum, il n'aura rien dit. Pourquoi? C'est comme ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Mipnei shematnei al mashikatuv Torah, parce qu'il a changé les conditions explicitées par la Torah. Katav ben betchila ben bemza ben masof, il a écrit, là c'était le cas où il a écrit son testament, en précisant qu'il fait hériter tel champ gigantesque à tel enfant parce qu'il est fier de lui, et tel petit champ parce qu'il est plus déçu de son fils. Donc il a précisé là-bas le mot héritage, héritage, mais malgré tout, pour chaque enfant, il a aussi précisé le mot don. Il a dit à la fois qu'il fait hériter, et à la fois qu'il donne, il lègue par donation et par héritage. Tinaten sa déplonit le ploni veirachena. Que ce champ soit donné à tel enfant et qu'il l'hérite. Il a dit le mot don et héritage. Zeu batechila, c'est ça quand on a dit qu'il a écrit le mot donation avant. Il sera donné et puis il héritera. Ou encore inversement, irachena, tel enfant héritera de tel champ, vetinaten lo, et il lui sera donné. Zoi basov, c'est ça qu'il a dit le mot netina basov. Irach sa déploni vetinaten lo veirachena. Là, il a pris le mot donation en sandwich avec le mot héritage au début et avant. Tel enfant héritera et lui sera donné et il héritera. Ouais, quand on écrit un testament, on rallonge beaucoup pour préciser chaque chose. Alors, Zoï Matana Bemza, et dans tous les cas, ça fonctionnera. Ensuite, Imamar Al-Mishiroï le Yorosho. Alors, là, on commence à entrer dans les paroles de Rabbi Yochanan Ben Beroka, qui nous disait que s'il a dit à une personne qui est apte à l'hériter, Kegon Al-Ben Benabani, par exemple, un fils au sein des autres enfants, des autres garçons, d'accord ? Ils sont tous héritiers concrets, ils vont tous recevoir une part. Mais juste qu'au lieu de donner une part équitable à chacun, une double part au Bechor, il a décidé au troisième enfant de lui donner une part plus grosse. Kegon Al-Ben Benabani, Balbat Benabanot, Ploni Racheni, tel enfant héritera. Alors, Dvarat Kayemim, ses paroles sont maintenues. Que quoi dirtiv Vehaya beyom anchilo et banav. Comme le pasuk nous dit, ce sera le jour où il fera hériter ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il fait hériter ses enfants? Ça veut dire que c'est lui qui décide. A Torah natna rishut la av le anchil la banim le chol mishayirze. La Torah a donné le pouvoir au père, le droit au père, le pouvoir, rishut, le droit. Le anchil la banim le chol mishayirze, c'est de faire hériter à ses enfants les parts qu'il veut. Au mot de Rabbi Yochanan, attention, Rabbi Yochanan Ben Broka reconnaît que de al ar bimkom bat, donner à son frère alors qu'il avait une fille, de al bat bimkom ben, ou donner à sa fille alors qu'il avait un garçon, lo amar klum, il ne pourra pas dire ainsi, donner les gains à une personne qui n'est pas héritier concret. She'en abat royal irash bimkom ben, car la fille n'est pas apte à hériter lorsqu'il y a un garçon, d'accord ? Velo ahar bim kombat, il ne pourra pas donner à son frère alors qu'il avait une fille. Vechen moder Rabbi Yochanan, et de même Rabbi Yochanan ben Broka reconnaît que quoi, shi mishva et abechor la banim, que s'il a il a fait que le bechor recevra une part comme les autres enfants, lo amar klum. Pourquoi? Il n'aura rien dit. Pourquoi? Dirtiv lo yuchal levaker, parce que la Torah dit attention, lo yuchal levaker et ben asnual ben ahuva, il ne pourra pas donner le droit d'aînesse à son autre fils. Il ne peut pas supprimer le droit qu'il reçoit. Il peut juste dire que les autres enfants sont en plus. Je déduis là, j'ai mal précisé quand je l'ai fait dans la Mishnah, mais là c'est clair, j'avais un doute quand je parlais. Mais c'est évident que je peux décider que tel enfant n'héritera pas aussi. Mais le chélek de la Bechora, je ne pourra pas le donner à quelqu'un d'autre. D'accord? Ou le supprimer complètement. C'est la fin de la Mishnah, celui qui lègue tous ses biens à une tierce personne. Alors, Chachamim ne sont pas satisfaits, comblés par ses actions. Même si ses enfants ne se conduisent pas convenablement. Pourquoi?
qui sait, peut-être qu'un jour sortira de l'un d'eux un Zara Mealia, un enfant super, tzadik. Et dans ce cas-là, l'argent lui serait revenu, l'héritage lui serait revenu, et il en aurait fait quelque chose de très bien, ça aurait été un grand narratoire pour le mort. Rabbi Shimon ben Gamliel. La halakha n'est pas établie comme Rabban Shimon ben Gamliel, mais comme Tanakama qu'il ne faut pas tout léguer à une tierce personne. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.